Est-ce que toi aussi tu es en train de faire ou tu comptes faire Edma PRP mais tu ne sais pas quel matériau utiliser pour faire des routes ou simplement comment faire des routes? Dans cette vidéo je vais te montrer les meilleures astuces que j'ai pour faire des routes, les meilleurs matériaux à utiliser et aussi vers la fin du tuto je vais vous montrer comment tourner les routes et surtout les meilleures techniques à employer pour avoir des très belles routes et dans plusieurs circonstances. Eh bien salut à toutes et à tous amis, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mélange entre des astuces, des conseils et un tuto pour comment faire des jolies routes. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à entrer le code créateur Zakuzo dans la boutique de Fortnite, ça me soutient énormément et les gars au 500 soutiens je compte dévoiler un gros leak de ma map RP, un gros teaser, donc une image d'un quartier au hasard. Donc les gars vraiment si vous voulez avoir un aperçu de quand va sortir ma map RP et surtout à quoi elle va ressembler, n'hésitez pas à mettre le code créateur Zakuzo. Sur ce je vous embête pas plus, je vais commencer par vous présenter la route. Alors j'aurais vraiment pu vous proposer énormément de design de route mais j'ai pris le plus simple, mon préféré qui colle un peu pour tout. Alors déjà qu'est-ce qu'on remarque? Donc dessus vous pouvez voir qu'il y a des trottoirs qui sont bien organisés. Il y a aussi des lignes. Je vais faire un passage piéton pour aussi vous donner l'exemple comment en faire. Il y a des petits lampadaires qui éclairent la route et il y a même une petite colonne avec quelques petits arbres. Donc ça pour l'instant c'est juste une présentation. Je vais vous montrer par la suite comment faire cette route et d'ailleurs comment faire votre propre version de cette route. Mais avant ça on va passer à quels matériaux utiliser. Ici tout d'abord on a les sols. Du coup vous pouvez voir que les sols du haut c'est les sols qu'on va se servir pour faire les routes et les sols du bas c'est ceux qu'on va servir pour faire les trottoirs ou pour faire les chemins qui sont à côté de justement la route. Et ici j'ai mis les accessoires dont vous allez avoir besoin pour faire la même route que moi. Du coup vous pouvez voir qu'il y a le lampadaire, il y a l'arbre, il y a aussi le petit truc pour tenir l'arbre, il y a également un truc qui permet de faire des lignes et qui permet aussi de faire des barrières. Et du coup ça vraiment je le conseille à 200% si vous faites des routes. Il y a aussi le petit truc dont je me sers pour faire des traits, je vous montrerai aussi c'est dans quelle galerie et vraiment c'est une dinguerie. Et ensuite il y a le bloc qui m'a servi à faire le passage piéton. Alors on va commencer tout simplement par vous montrer c'est dans quelle galerie pour que vous puissiez les poser et que vous puissiez faire votre propre route. Donc ici c'est les quatre types de routes qui sont pour moi les plus beaux. Moi j'ai utilisé celui en noir tout simplement mais vous pouvez tous les utiliser, c'est vraiment ceux qui sont les plus beaux et les plus utilisés. Donc tout d'abord on a le grid de base du chapitre 1 de Fortnite. Cette route se trouve dans la galerie Rubé. Du coup vous allez hop dans votre inventaire, vous allez hop dans galerie. Bon vous pouvez aller dans véhicule pour aller plus vite mais moi je vais écrire hop, je vais écrire galerie rue B et vous voyez qu'on trouve la galerie. Ensuite on a la deuxième route qui elle est beaucoup différente, il y a un peu moins de fissures même si on a des rayures, c'est très subtil, elle brille également au soleil et du coup ça c'est vraiment cool. La couleur pareil, la texture elle est plutôt sympa, du coup elle vraiment je vous la recommande beaucoup plus que celle là par exemple. Elle se trouve dans la galerie sol et escalier du requin. Alors les gars j'ai enlevé et 2 dedans mais vous tapez galerie sol et escalier du requin ou juste vous pouvez juste taper requin et vous la trouverez facilement. Ensuite il y a celle qui est la plus utilisée et qui est surtout pour moi la plus belle. Elle se trouve tout simplement dans la galerie sol et escalier de Dark Tilted. Du coup vous tapez juste Dark dans la barre de recherche et vous devrez trouver. C'est tout en bas de la galerie parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent dans quelle c'est galerie. Enfin ils savent dans quelle galerie c'est mais ils ne trouvent pas. On a ensuite ce sol qui est plutôt bien texturé. On a aussi des rebords avec un peu de terre et on dirait un peu que c'est un tout petit peu mouillé. On a aussi des rebords qui sont déjà mis de base et ça, ça se trouve simplement dans la galerie sol et escalier de l'agence. Voilà pour les routes les gars, du coup je vous conseille de les placer comme moi ou alors de choisir celle qui est pour vous la plus belle. Ensuite on va prendre les chemins et les trottoirs qui pour moi sont les plus beaux. Du coup on commence par les deux moins connus, vraiment ils sont pas très connus mais franchement ils sont super beaux. Déjà il y a ce sol avec des petites dalles en pierre et il y a aussi vous voyez des petits trucs verts, du coup il y a des petites plantes qui poussent, du coup ça fait un peu une ambiance jardin. Donc cette fois c'est pas dans une galerie mais dans un préfabriqué, ça se trouve dans le préfabriqué du marché du village. Ensuite on a cette route qui est plutôt moderne, qui est vraiment à utiliser dans tout ce qui est quartier moderne, tout ce qui est quartier résidentiel etc, ou même dans tout ce qui est plage parce que c'est vraiment un truc qui va super bien avec la plage. Et du coup vous pouvez voir que la texture aussi elle est plutôt belle et ça se trouve justement dans les préfabriqués du tacos. Du coup lui c'est simple à trouver, vous allez dans préfabriqué, vous marquez juste tacos, vous allez le trouver très facilement. Alors aussi on a ce sol qui est exactement dans la même galerie que cette route, du coup voilà c'est la galerie Rubé encore une fois. Alors on a aussi justement ce trottoir qui brille aussi, qui ressemble beaucoup au truc noir du coup qui se trouve exactement dans la même galerie, celle de Dark Tilted. Encore une fois on a un sol de la galerie requin que je vous conseille énormément, pour moi c'est le plus beau, celui que j'utilise à chaque fois, il y a même des reflets etc, donc franchement il est super. Donc pareil comme j'ai dit c'est dans la même galerie que ce sol. Et enfin encore un qui est dans la galerie Rubé et du coup c'est celui de base de Neo Tilted, du coup il passe mais pour moi c'est pas le plus beau. Ensuite en ce qui concerne les accessoires, on a justement un accessoire que j'utilise même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent, alors que pourtant il est vraiment super beau et du coup c'est à combiner avec cet arbre là. Du coup voilà ce que ça donne, alors n'hésitez pas à tourner les arbres, à changer leur taille etc etc pour que ça rentre tout simplement plus
bol, du coup vous les fixez soit en gris 0 soit en gris 32 pour que ça s'empile parfaitement, et vous pouvez voir qu'après vous pouvez le placer partout. Bon, moi pour ma part je l'ai placé sur un petit bout que je vais vous montrer plus tard dans le tuto. Du coup ça se retrouve dans le préfabriqué du pont en acier vert. Du coup voilà, je vous ai dit le nom tout court, vous pouvez juste aller dans le préfabriqué, taper pont et c'est le pont vert. On a ça qui est dans la galerie nature, ah il me semble, non je crois c'est nature arbre. On a aussi ce truc qui est extrêmement intéressant parce qu'il va vous permettre de 1 de faire des rebords et de 2 de faire des barrières. Alors lui vous pouvez peut-être galérer à le trouver parce qu'il s'écrit d'une manière un peu bizarre. Faut que vous écrivez E.G.O. Bon, E.G ça passe déjà. Et vous prenez simplement le dernier poste de contrôle d'Ego. Vous ouvrez et tout simplement il est dedans. On a ensuite ce lampadaire qui est dans la galerie Neo Tilted. Du coup très facile à trouver, vous avez juste à placer la galerie Neo Tilted dans votre map. On a ce petit rebord que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez aller dans préfabriqué, vous allez taper moderne et vous allez tomber sur la maison moderne. Vous faites ouvrir et c'est tout simplement ce petit accessoire. Donc du coup de base il sert de rebord. Du coup vous le placez et vous redimensionnez en hauteur en minimum. Et après il y a le bloc qui est dans la galerie cube de base. Et du coup moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai redimensionné, vous verrez un peu plus tard dans le tuto comment je redimensionne pour que ça puisse faire cette taille et qu'ensuite on puisse en placer pour faire un passage piéton. Et du coup les gars on va commencer à refaire cette route et je vais vous donner des astuces pour faire des routes différentes, parce que même si moi j'ai choisi ces matériaux vous pouvez en choisir plein d'autres, déjà ceux que je vous ai présentés mais aussi d'autres que vous pouvez trouver. Et du coup faites des routes à votre sauce, ça dépend aussi. Moi là par exemple c'est une route qui est un peu plus de ville, un peu dans un quartier un peu moderne, mais par exemple si jamais vous changez les matériaux, si par exemple vous mettez ça fait un peu plus quartier pauvre, si vous mettez ça ça fait un peu plage ou encore quartier moderne, si vous mettez ça ça fait un peu plus contemporain, même si ça peut aussi très bien aller dans les quartiers modernes. Les routes ici ça dépend pas vraiment, ça change pas beaucoup. Moi j'ai pris elle parce que c'est celle avec laquelle j'ai des habitudes. Celle là je m'en suis servi pour faire autre chose, vous voyez ici que je vais vous montrer, qui est vraiment très stylé. Et ensuite je me suis servi de ça parce que je trouve que c'est plutôt moderne, c'est vraiment mon sol qui sert de trottoir le plus beau. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une de toutes les routes que je vous ai présentées. Pour moi c'est la route noire qui est vraiment très très belle. On va servir d'un outil de mesure, c'est à dire placer deux murs. Et ensuite on s'attaque à la redimension. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs redimensionner les murs, les sols etc etc, vous devez tenir votre téléphone en main, aller dans options et transformer la structure en accessoire. Moi je l'ai mis sur origine centre. Il ne faut surtout pas que ce soit mis en nom, parce que si c'est mis en nom vous pouvez pas le redimensionner. Du coup une fois que le paramètre est mis en origine centre ou en origine droite je crois c'est, enfin en tous les cas du moment que c'est pas en nom, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre la route et ensuite aller en largeur ou en profondeur. Parce que par exemple imaginons là pour moi c'est en largeur, mais peut-être que pour vous vous avez placé les murs comme ça et que du coup c'est en profondeur. Du coup pour ma part c'est en largeur, je vais mettre la largeur pour que ça fasse la largeur hop de deux murs tout simplement. Alors pourquoi deux murs? Parce que déjà ça fait une longueur de route qui est plutôt belle. Ensuite ça laisse largement de la place pour mettre n'importe quel type de voiture de chaque côté, du coup de faire une voie où chacun roule à droite. D'ailleurs en parlant de voie etc etc, je vais vous présenter une autre galerie vite fait. Donc c'est dans la catégorie véhicule, c'est justement la galerie rue A, et dans laquelle vous avez tous les panneaux de signalisation. Vous avez aussi un lampadaire même si je préfère celui de Neo Tilted. Du coup voilà, si jamais vous voulez aussi vous utiliser de panneaux de signalisation. J'ai oublié de vous en parler au début mais bon, on passe à la redimension. Et donc là moi j'ai redimensionné 2-2 en largeur. Et du coup je vais redimensionner au maximum en hauteur, en profondeur. Si jamais vous avez redimensionné de 2 en profondeur, vous redimensionnez au max en largeur. Du coup hop, voilà ce que ça donne. Faites pas gaffe au bug de collision avec l'herbe parce que ça s'enlève très très vite. Et aussi en hauteur j'ai mis minimum, mais après vous allez voir que je vais le rehausser juste un peu. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné les deux avec un mur et que hop juste j'ai décalé hop de un seul pour que ça fasse une route de 6. Donc voilà, là on a déjà la route, du coup c'est plutôt pas mal. On va passer directement au trottoir. Du coup vous allez prendre justement le sol de votre choix. Et il y a plusieurs manières de le placer, mais moi ma préférée c'est de le placer comme ça. Alors moi pour ma part je le redimensionne pour que ça fasse la largeur de deux murs. Du coup hop, là cette fois c'est en profondeur. Du coup vous redimensionnez juste en profondeur. Et ensuite je vais vous montrer une autre dimension qui est vraiment très cool à faire. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez hop le placer comme ça, pour qu'il y ait la moitié qui soit sur la route et l'autre moitié qui sera à l'extérieur. Et ensuite vous allez prendre hop en hauteur et redimensionner au minimum. Ensuite vous allez hop un tout petit peu augmenter la hauteur de la route, encore un tout petit peu, hop à peu près de 5, pour que justement les deux se fusionnent très bien et qu'on ait juste la moitié. Du coup je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais redimensionner de 5 de plus. Et du coup soit vous sélectionnez avec un mur, soit vous placez en grille 2 ou en grille 4. Et du coup hop, vous avez juste à placer les trottoirs. Alors bien sûr les murs que moi je me sers pour sélectionner je les supprime juste après. Mais là déjà ça commence à avoir une forme intéressante. Ensuite vous allez prendre le petit bout que je vous avais dit de prendre, vous essayez de le mettre en grille 4 pour que ça fasse au milieu et que ça regarde des deux côtés une partie justement du trottoir. Redimensionnez pareil en minimum et vous placez sur grille 4, hop, pour que ça fasse à chaque fois
au milieu du trottoir, au milieu du trottoir, au milieu du trottoir, et encore au milieu du trottoir. Ensuite, je vous montrerai comment faire un passage piéton, mais là, tout d'abord, je fais les lignes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, prendre ça et justement faire des bordures, même si je le fais pas toujours, ça m'arrive d'en faire. Du coup, là, je redimensionne en largeur pour que ça fasse un truc qui fait à peu près, voilà, la largeur des sols qu'on a choisi. J'augmente un tout petit peu la hauteur pour que ça déborde, et là, vous voyez qu'il y a eu un gros débordement. Du coup, moi, j'ai pas vraiment redimensionné la profondeur, même si là, je vais le faire pour essayer de faire un truc qui soit pas extrêmement épais non plus. Donc ensuite, vous fixez hop en grise 0 et vous l'abaissez légèrement, l'histoire que ça fusionne à peu près bien avec la route. Et vous faites comme moi, vous sélectionnez les deux avec un mur et ensuite vous faites du copier-coller. Du coup, là, on a juste 3 à copier. Hop, 1, 2, 3. Ensuite, hop, vous sélectionnez les 3 et en même temps, pareil, vous sélectionnez un mur du Battle Royale et hop, vous le placez de l'autre côté. Déjà ici, on a une super base de route. Du coup, moi, pour ma part, ce que je prends, c'est aussi de prendre cette route qui est pareil dans la galerie agence que je vous ai montré. Vous redimensionnez en largeur ou en profondeur au minimum pour que ça donne un truc comme ça. Ensuite, hop, vous allez hop vous placer en grille 8 et le mettre comme ça. Puis ensuite, en grille 32 pour essayer de le placer le plus au bord possible. Et ensuite, si vous êtes vraiment très très maniaque comme moi, vous mettez en grille 0, donc en grille non, et vous essayez de le placer le mieux possible. Ensuite, pour aller plus vite, pareil, vous sélectionnez avec un mur, puis hop, une fois que vous avez fait les deux, vous sélectionnez avec deux murs à chaque fois, et du coup, bah, c'est tout simplement beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je l'ai fait que d'un côté. En vrai, je vais aussi le faire que d'un côté ici. Vous pouvez le faire d'un côté ou de côté, vous mettez du côté où il y a le plus de passants. Alors là, par contre, faites gaffe, les lampadaires, je les ai plutôt mal mis. En général, j'utilise pas ce type de lampadaire, j'en utilise des custom, mais juste essayez de faire gaffe, essayez de mieux les mettre. Enfin, moi par exemple, j'ai mis comme ça pour que les gens puissent circuler dans votre map. Ensuite, vous allez prendre le truc pour placer les arbres, vous allez le mettre en griffe 0 et vous allez tout simplement vous baser sur le petit bout qui est ici pour que ce soit à chaque fois au milieu du truc. Donc là, si on sélectionne, vous voyez que c'est au milieu. Ensuite, dedans, vous pouvez placer un arbre. Alors je crois que en tout, vous devez réduire un tout petit peu la largeur de l'arbre. Alors attendez, je regarde vite fait. Non, je crois qu'en tout, vous avez même pas besoin de réduire. Du coup, hop, vous essayez de le placer en grille 0 pour que ça rentre un maximum. Faites très attention à ce que ça rentre bien. Là, je vais réduire en taille 2. Comme ça, hop, comme ça on est sûr que ça rentre. Donc oui, il fallait bien réduire en taille 2. Vous sélectionnez et vous les mettez de chaque côté. Du coup, là, vous voyez qu'à chaque fois, ça crée le même arbre. Mais je vais vous montrer ma technique, justement, que je vous ai parlé au début du tuto. J'ai oublié de sélectionner les deux, bref, c'est pas grave. Qui permet de, même en utilisant le même type d'arbre, de pouvoir choisir la taille et modifier pour qu'on dirait que ce soit des arbres différents et qu'au final, ça vous prenne le même type d'espace. Alors, du coup, ce que vous allez faire, c'est que, hop, vous allez sélectionner les arbres, vous allez mettre en lancer et vous allez tourner juste un tout petit peu et ensuite redimensionner pas en tout, mais juste en hauteur. Bon, moi, je vais en mettre plus, par exemple. Et là, vous voyez que déjà, les deux arbres, ils sont plutôt différents. Alors là, faites gaffe parce que cet arbre il est symétrique, du coup hop, si jamais je le décale comme ça, vous voyez que hop ça continue, du coup je vais faire un truc comme ça. Bref, vous faites comme ça. Par exemple, cet arbre vous pouvez le laisser pareil que le premier, à part que juste vous le tournez un tout petit peu, par exemple comme ça. Lui par exemple, on va le faire un tout petit peu plus petit et lui on va le laisser normal, et du coup voilà, on a une belle rangée d'arbres. Donc essayez que ce soit quand même réaliste, parce que là vous voyez que là il y a 3 fois de suite le même motif, 4 fois de suite même, qui se répète. Du coup hop, pareil, si jamais ça vous arrive, vous mettez en lancer, vous changez un peu la taille, vous vérifiez que ça colle bien. Et là déjà vous avez un truc qui est très réaliste. Ensuite vous prenez les lampadaires que vous n'avez pas besoin spécialement de redimensionner. Après vous pouvez le faire si vous voulez. Et moi ce que j'ai fait, c'est que hop, je me suis basé. Donc ce que je vais faire là, hop, je vais mettre en grille 32, je vais le placer comme ça pour que la moitié du bout, elle soit, enfin, que la moitié du bout que j'ai mis là, ça rejoigne à peu près la fin et qu'on ait quand même assez de place pour bouger. Aussi que ce soit au milieu du trait comme ça et que je en mette juste 3. Pourquoi 3? Parce que vous voyez que ça éclaire déjà très bien. Du coup, hop, je vais en sélectionner, je vais en mettre au milieu de chaque truc. Et là, déjà, on a fini de reproduire la route que j'ai fait. Alors ensuite, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser plusieurs matériaux. Et là, du coup, on s'attaque au passage piéton et surtout comment faire tourner les routes. Du coup, le passage piéton, ce qu'il va falloir faire, c'est redimensionner à peu près comme moi. Faites pas gaffe aux collisions. Du coup, moi pour ma part, c'est en profondeur. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, vous allez faire 15 en profondeur ou en largeur, enfin tu faut que ce soit large. Ensuite moi j'ai changé un tout petit peu la profondeur, parce que là je crois que je vais redimensionner la profondeur. Du coup là je redimensionne la largeur un tout petit peu plus. Et ensuite ce que vous avez juste à faire, c'est essayer de le placer pour que ce soit au plus milieu possible. Essayez d'en mettre 5 ou 6. Moi pour ma part, je vais juste en mettre 5. Essayez que lui par exemple soit très au milieu. Hop et hop.
Vous mettez vue du ciel pour voir qu'est-ce qui change. Donc du coup hop, là vous réglez pour que ce soit encore plus beau. Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous voyez que ça déborde un tout petit peu. Du coup hop, vous sélectionnez tout. Vous vous mettez pareil en gris 0 et vous faites quasiment fusionner avec la route pour que ce soit très très fin. Du coup voilà ce que ça donne. Et du coup ben, on a reproduit la route. Et ensuite les gars, la dernière partie du tuto, comment faire tourner les routes. Alors c'est extrêmement demandé, mais vous allez voir que la méthode est très simple. Du coup moi je vais prendre hop une route de base que je vais fixer sur la grille et imaginons que je vais la faire tourner. Du coup moi pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en largeur et que je vais essayer de le mettre en minimum. Du coup voilà ce que ça donne. Et ensuite c'est très très simple, vous avez juste à vous mettre en grille 0 et essayer de tourner légèrement. Essayez de faire en sorte que ce soit vous voyez la collision entre les deux soit à peu près bleu clair. Du coup vous placez et là vous voyez que des deux côtés il n'y a pas de problème de collision et que ça commence à tourner légèrement. Du coup vous reprenez le même et vous faites la même chose en face encore. Du coup vous essayez que ce soit hop bleu clair. Faites gaffe aussi aux trucs sur les côtés pour pas qu'il y ait des trucs comme ça. Faut que ce soit vraiment très propre. Du coup moi par exemple là j'en peux me déplacer encore un tout petit peu. Alors aussi les gars, si jamais vous êtes sur PC et que vos paramètres sont en faible, enfin que vos graphismes sont en faible, vous allez galérer à bien voir comment le placer. Du coup je vous conseille de vous mettre minimum en élevé, même si votre PC est pas très puissant, essayez de faire juste ça pour le tuto. Du coup là j'en ai déjà mis deux, du coup j'ai juste à sélectionner pour aller encore plus vite. Et du coup je réitère l'opération. Là ça va plus être rose très 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 pâle. Du coup hop, parfait, hop, je pose. Hop, je continue. J'essaye de bien mettre, je pose. Et du coup là vous voyez que la route commence déjà à tourner. Vous pouvez encore continuer à sélectionner. Vous pouvez même la faire tourner dans l'autre sens. Vous faites un truc comme ça. Et du coup vous voyez que vous avez une route qui tourne. Du coup si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Il y a beaucoup de tutos comme ça, surtout des tutos construction, que ce soit de trucs modernes ou parfois il y en aura de trucs contemporains. Il y a aussi énormément de tutos système et je vais bientôt sortir ma même perpée. Du coup restez actifs. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner et la partager à un de tes potes. Oubliez surtout pas le code créateur Zakuzo au 500 soutiens. Je montre une partie de ma main perpée. Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.